Alors il est 9h du matin, plus ou moins, je viens juste de partir du van et je suis, figure-toi, en pleine forêt, en plein milieu d'un bois, sur un petit chemin qui va me permettre de rejoindre le magnifique château médiéval de Rennenstein, dans cette région qui est vraiment magnifique. Et ensemble, on va aller faire la découverte de ce château. Et alors, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te poser, figure-toi, une question qui me paraît essentielle. Et je voudrais qu'on puisse interagir, toi et moi, en commentaire, que tu puisses me donner réponse à cette question. Parce que tu sais que pour moi, l'interaction est importante, comme je te l'ai expliqué plusieurs fois dans certains épisodes. Mais voilà, en tout cas, je te souhaite un bon visionnage dans cet épisode numéro 14, à la découverte de ce château d'une autre époque, si j'arrive vivant jusque-là. Ça glisse. Voilà, j'arrive tout au-dessus de cette colline pour te montrer le beau point de vue que l'on peut avoir d'ici sur le château médiéval. Alors attends, on va essayer ensemble de trouver le meilleur endroit pour te montrer ça. Mais je présume que tu vas le voir derrière moi. Regarde-moi ça comme il est magnifique ce château. C'est vraiment beau, hein. Bon allez, je vais installer le drone et on va voir ça avec un petit peu de hauteur. Je suis sûr que ça va être magnifique. Attends, je te remontre encore une autre vue. Regarde. Vraiment beau, je suis vraiment très content. Cette Belgique est vraiment particulière, hein. Tu sais qu'il y a un quart d'heure, la météo était déjà différente. Là maintenant, il y a une brume qui vient de je ne sais pas trop où, mais ça confère à l'endroit une magie particulière. Ce qui va d'ailleurs me permettre de te poser la question que j'avais envie en début de vidéo, comme je te l'ai expliqué. Eh bien, j'aimerais savoir pour toi, en fonction de ta philosophie, de tes valeurs, etc., ou de ton ressenti par rapport à cette époque contemporaine, quelle serait supposément l'époque que tu aimerais choisir pour tenter de vivre ta meilleure vie? Est-ce que tu aurais envie de vivre au Moyen-Âge? Est-ce que tu aurais envie de revivre l'époque des cavernes ou que sais-je? Dis-moi un peu en commentaire, surtout l'époque dans laquelle tu aimerais vivre, mais surtout les raisons pour lesquelles tu voudrais retourner à cette époque. Tu sais, moi j'entends souvent les plus anciens dire « Ah, c'était mieux avant, pour x, y raisons ». En finalité, j'ai l'impression que quand tu es contemporain, donc que tu vis l'époque dans laquelle tu es, tu as toujours l'impression, lorsque tu te compares à des plus anciens, à des aînés, que c'était mieux avant. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Alors c'est vrai que bon, la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle me fait dire que je n'aimerais pas penser que la liberté, la privation de liberté qu'on connaît en ce moment serait supposément notre futur. Si c'était le cas, alors c'est clair que je préférais vivre il y a une dizaine d'années, quoi. Ça c'est clair et net. Mais j'avais envie d'avoir ton avis sur la question parce que je trouve que l'endroit se prête bien. Quand tu ouvres les couloirs du temps, comme ça, entre guillemets, eh bien ça te permet d'ouvrir la réflexion sur ce genre de questions. Un bon café dans cet endroit qui est magique, ça va me permettre de continuer ma belle rando, parce que je te l'ai pas dit, mais il fait très 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 froid ce matin. Voilà, un bon plein d'énergie. On va essayer de ne pas le renverser, c'est mieux. Underneath the revelry, it's hard to keep your pulse in. Time.
is alive. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'expression qui dit que certaines personnes parlent aux oiseaux. Moi, figure-toi qu'en plus de leur parler, j'essaie de les nourrir autant que je le peux lorsque je viens me balader en forêt. Alors en général, j'achète des petits filets de graines comme ceci, ça coûte pas très cher, mais je ne laisse pas le filet accroché. J'ouvre le filet, je disperse les graines comme ça dans la main, et alors après, tu sais, je viens les disposer comme ça dans des petites cavités naturelles de certaines branches, ce qui permet d'avoir une sorte de mangeoire naturelle. Alors tu vas me demander pourquoi est-ce que je laisse pas accrocher le filet. Eh bien simplement parce que si jamais je ne passe jamais par ici, eh bien j'ai pas envie de me dire que le filet va rester là pendant des centaines d'années vu qu'il n'est pas vraiment biodégradable. Et c'est vrai qu'en faisant ça, ça te permet de participer entre guillemets au spectacle de la nature, parce que tu sais, admettons, si tu venais te balader en forêt et que tu n'avais pas autour de toi le chant des oiseaux, bah je pense que le spectacle serait complètement différent, quoi. Et donc c'est vrai que moi, lorsque je nourris les oiseaux, bah, je me dis que je participe à ce spectacle, et franchement ça me fait super plaisir, donc voilà. Dans cet épisode numéro 14, j'ai envie de te partager une petite lecture qui est issue du livre Marcher en pleine conscience, dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode numéro 2 sur l'abbaye d'Orval. C'est un petit livre que j'aime bien glisser dans mon sac à dos quand je viens me balader en pleine nature. Et puis, au hasard de ma randonnée, j'ouvre une page et je la lis. Et en général, c'est plutôt intéressant. Alors, le texte que j'ai choisi aujourd'hui s'appelle La solidité. La solidité parce que je pense qu'on a tous besoin de se sentir solide en ce moment par rapport à la crise que l'on vit tous à certains égards. Et le texte dit ceci. Quand le passé et le futur ne peuvent plus vous arracher au moment présent, chacun de vos pas est solide. Vous êtes fermement établi ici et maintenant. La solidité et la liberté sont les fondations du bonheur. Si vous n'êtes pas solide, si vous n'êtes pas libre, le bonheur n'est pas possible. Alors, chaque pas a pour but de cultiver plus de solidité et plus de liberté. En marchant, vous pouvez dire en vous-même « Je suis solide et je suis libre ». Ce n'est ni une autosuggestion, ni un vœu pieux. C'est une réalisation, car si vous êtes bien établi ici et maintenant, vous réalisez cette vérité à chaque pas. C'est vrai que ce texte me parle personnellement, donc j'avais envie de te le partager. Voilà. Alors tu vois que le château est juste derrière moi. On va avoir l'occasion dans cet épisode numéro 14, en exclusivité, de faire une petite visite éclair. Et ensuite, on ira voir la magnifique cascade qui se trouve juste derrière. C'est la cascade la plus haute de Belgique, et franchement, elle vaut le détour. Ce château a été reconstruit entièrement par Yann Overloop et quelques artisans locaux dans les années 1960. En à peine 18 mois, Reinhardstein renaissait de ses cendres. Lorsque tu rentres dans ce genre de lieu, c'est comme si tu avais la chance de pénétrer dans les couloirs du temps. Mieux qu'un décor de cinéma, ici, le mobilier tout entier date de l'époque médiévale. Venir à Reinhardstein, c'est sans doute s'offrir le spectacle d'un autre temps. Mais c'est aussi venir admirer le projet fou de ce professeur d'histoire qui repose aujourd'hui dans cette crypte pour l'éternité.
Bon ben ça mouille, hein. Tu vas me dire, en même temps, c'est normal. Vu les éclaboussures, bon ben voilà, il n'y a plus qu'à sécher maintenant. Très franchement, si tu aimes bien prendre le temps d'observer les choses autour de toi, ici, lorsque tu te balades dans la région, ces circuits de randonnée t'offrent différents points de vue sur ce château, et c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Bon, eh bien voilà, il est maintenant temps de préparer mon petit repas du soir. Alors je vais te montrer tout de suite les ingrédients que moi j'utilise. Tu dois savoir que tu peux remplacer par exemple la viande par du poisson ou par autre chose. Bien évidemment, si tu reproduis cette recette à l'identique, tu verras qu'elle est très intéressante sur le plan des couleurs, sur le plan des saveurs, sur le plan gustatif. Normalement, j'utilise mon tagine pour cuisiner, mais là, le tagine est dans le coffre et j'ai pas envie d'enlever mes vélos pour l'instant. Il fait noir, il fait froid. Donc je vais utiliser ma petite poêle avec son couvercle et je pense que ça va le faire. Donc voilà, donc je te montre tout de suite les ingrédients que moi j'utilise. Pour réaliser cette recette, tu vas avoir besoin d'un blanc de poulet ou d'une cuisse de poulet. Tu vas avoir besoin d'un petit peu d'huile d'olive, de pois cassés, d'un oignon, d'un petit peu de miel, des olives noires ou des olives vertes dénoyautées, d'un petit peu de curry, mélange fait maison sans poivre noir si possible, d'un petit peu d'herbe de Provence, de quelques feuilles de laurier, d'un petit peu de raisin sec, de quelques brins de safran et de quelques amandes. Pour moi, ces moments durant lesquels tu cuisines sont de véritables plaisirs de la vie. Après plus de 3 ans de vie dans mon van, j'ai compris que même dans un espace restreint, tu peux te faire plaisir en t'accordant simplement du temps pour cuisiner. Bon, et bien voilà, après une petite heure de cuisson, voici ce que ça donne. Alors c'est vrai que la présentation n'est peut-être pas des plus réussies, mais bon, c'est pas très grave. J'accompagne ce petit plat-là, figure-toi, avec une bonne bière d'abbaye, l'abbaye de Maretsu. Moi, je suis pas un gros buveur de bière, peut-être que j'en bois 5-6 par an maximum, pas par mois, hein, par an, donc c'est pas énorme. Mais j'avais envie aujourd'hui d'agrémenter ce petit plat par une bonne petite bière et une bonne petite soirée. Donc moi, je mange et je te dis bon appétit, je te reprends juste après. Et bien voilà, cet épisode numéro 14 se termine petit à petit. J'ai été très heureux de te partager ces magnifiques images du château de Rennenstein si tu ne le connaissais pas encore. Si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésite pas à la commenter, à la partager, à la liker. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. N'oublie pas que je t'ai posé une question en début de vidéo qui était, pour rappel, si jamais tu as oublié, qui était de savoir quelle époque tu choisirais si tu pouvais toi aussi choisir l'époque pour pouvoir vivre ta meilleure vie. Est-ce que ça serait le Moyen-Âge? Est-ce que ça serait une autre époque? N'hésite pas à m'expliquer ça en commentaire, à me dire pourquoi. Bien entendu, je te répondrai en commentaire, j'interagirai avec toi sous cette forme-là. N'hésite pas à répondre aux commentaires d'autres abonnés parce que je vois qu'il y a des interactions parfois entre vous, ça me fait vraiment très plaisir. Donc en tout cas, moi pour ma part, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. Et puis, bon, bah, qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre? Courage pour cette période qui n'est pas évidente. Et voilà, je suis en pensée avec toi, je t'envoie mes meilleures ondes, les plus belles ondes positives que je peux t'envoyer. Prends bien soin de toi, à bientôt, salut. J'essaie de me maîtriser, de ne pas avoir de fou rire, mais j'arrive pas. Je pense pas que ce soit la bière, parce qu'en finalité, je n'ai bu que la moitié. Mais bon, en plus, il y a 2 heures de ça, hein. Tu sais, le temps de manger, de faire ma vaisselle, etc. Bref, j'étais très heureux de te partager ces magnifiques images de Rennenstein, du château de Rennenstein, plus exactement dans cette région des Hauts-de-Fagne. Chut,
Ouh, ça va aller, je termine dans cette région des Hauts-de-Fagne. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la liker, je crois que je l'ai déjà dit. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. N'oublie pas que je t'ai posé une question en début de vidéo qui était si tu pouvais choisir l'époque à laquelle tu pourrais décider de vivre ta meilleure vie, quelle époque tu choisirais et pourquoi? N'hésite pas à m'écrire ça en commentaire. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Ah, purée. En fait, ce qui est marrant, c'est que je me tape de fou rire tout seul, quoi.